faire ce film. D'ailleurs, on n'a jamais rien gagné, ni lui ni moi, avec ce film. On n'a jamais gagné un centime avec ce film. Et justement, Raoul, il m'a permis, comme moi, au producteur, de le présenter dans le cadre de ce festival à la fin de l'entrée et gratuite. Enfin, sinon, je n'ai pas le droit de vous le donner. Raoul, le court-métrage dont je suis très fière et que j'aime beaucoup, je travaille par amour, toujours, je travaille par amour. C'est un atelier pour enfants qu'un ami a fait, d'Afakaf Hamadlam. Il y a un atelier de thérapie par le théâtre. Elle a ses oreilles avec la tête. On a un atelier de théâtre où l'entrée était libre, bien sûr, mais on a essayé d'encadrer des enfants qui avaient des problèmes d'ordre psychologique qui se répercutaient sur les études de terme. Donc, ils avaient des résultats catastrophiques à l'école. Ou qu'il y a eu au Colmar de la Hâte, c'est pour aider des enfants à réussir leur vie. Donc, si vous voulez, immortaliser cette expérience. C'est un peu un film sur l'expérience aérienne qui a déjà été faite en Italie, qui essaie d'impliquer, tu impliques les parents des élèves dans cette expérience. Vous allez voir ça dans le film. Les enfants, ils peuvent le dire. نقصي الكرسي مي وجه يقول لها نجي الكرسي كوستيم يعملوه وحدهم معناها سي ان بو بور اميليوري لي ريلاسيون سوسيال دون ان كارتي كي ديفافوريزي اي كي فيفي ا ليبوك بوكو دو بروبليم جو سي با مانتون كان سي مي وقت بن علي حمام نوف ولا سمح لي معقل نتاع فساد ومعقل نتاع الشراب نتاع قلت الشراب نتاع الدروب معناها حمام نوف ولات هي la ville de la drogue. Et les parents avaient des réactions de peur. Les enfants étaient trop contrôlés. C'est un peu le cas des autres quartiers, mais ils ont été comme ça. Fibouille à la tempe, c'est un film qui a été financé par l'Institut français et le Goethe Institute. C'était pour le 50e anniversaire du traité d'Élysée. C'était un thème imposé, en fait, le thème de la réconciliation. Le personnage est juif dans le film, mais ça n'a rien à voir avec les juifs. C'est un film qui parle de la tolérance, de la réconciliation entre les deux peuples. C'est un film de 13 minutes. Il a fait plusieurs festivals. Il a fait le festival de Clermont-Ferrand, de Babi. Il a été même projeté à Tel Aviv, en Israël. C'est un honneur pour moi. Je n'ai pas de aussi au sein de cette première édition du Panorama. Moi, depuis que mes scolaires, samedi, à quelle heure ça? C'est à 15h? À 15h, mais... film activé dans le cadre du budget d'études, dans le cadre de faire cité d'État. ممكن على خاطر الفيلم يحكي على
تشد معناها اعتدال اللي هي تعيش مع والدتها أستاذة التربية الإسلامية وتدعو للحرية الدينية، لكن هي تعمل بالعكس مع بنتها ولدها اللي عمره 5 سنين وتقوم تعسف ديني على ممارسات معناها تعسفية على